Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette présentation du Master Gestion et valorisation du patrimoine chrétien. Donc je me présente, je suis Elisabeth Ruchot, je suis la directrice du nouveau Master. Je vais vous présenter le nouveau master en tant que tel. C'est un master qui a pour but d'ouvrir un peu à la question et à la complexité de ce qu'est le patrimoine chrétien. J'ai l'impression que ça coupe un peu, je suis désolée. Alors, je reprends. Le patrimoine chrétien, c'est un patrimoine sur lequel il y a beaucoup de questions à prendre en considération parce que c'est un patrimoine qui est assez complexe, non seulement dans son dessin, dans son organisation, mais aussi finalement dans sa symbolique. Et ce master propose un peu justement de comprendre ce que va être toutes les étapes de la création de ce patrimoine chrétien. Ça va donc être un master dans lequel on va avoir des cours qui vont être à la fois des cours de théologie, des cours d'histoire de l'art, bien entendu, aussi des cours sur la liturgie, des cours de droit, des cours de philosophie, qui doivent amener à comprendre ce qu'est l'importance de ce patrimoine. Si vous voulez, le but, c'est de pouvoir former des personnes qui vont pouvoir travailler à la fois auprès de la direction des affaires culturelles, des directions régionales des affaires culturelles, pardon, des DRAC, auprès des collectivités territoriales, auprès aussi des monuments historiques, de l'État, et qui vont permettre de comprendre toute la complexité d'un patrimoine qui est un patrimoine très important en France, qui va correspondre non seulement à l'architecture, mais aussi à la peinture, aux objets religieux, aux objets liturgiques qui ont pu être faits au cours des siècles passés, mais encore aujourd'hui, et qui nécessitent d'être remis dans un contexte. Alors le but, c'est vraiment de réussir à avoir cette approche-là, sans pour autant forcément en faire un espace de prosélytisme. Hein. Au contraire, c'est pas du tout la question. Le but n'est pas de travailler pour l'Église, le but est de travailler pour le patrimoine en lui-même. Donc, depuis quelques années, on voit que ce patrimoine chrétien, on le redécouvre petit à petit. On en voit la richesse, on en voit l'importance aussi sur notre territoire, pas que en France, mais dans l'ensemble de l'Europe et même au-delà. Et finalement, ce patrimoine-là, dans sa complexité, eh bien aujourd'hui, il est assez mal compris. Donc, l'avantage de ce master, ça va être d'arriver à avoir une vision globale de ce patrimoine. Alors, je répète beaucoup le mot patrimoine, ça va être un petit peu le gimmick de cette présentation, je pense. L'ensemble des cours se développe principalement sur 3 semestres, le dernier semestre du M2 étant dévolu à la réalisation d'un stage professionnalisant qui doit durer 1 mois minimum et surtout à la rédaction du mémoire, puisque ça reste un master de recherche, donc avec la rédaction d'un mémoire. Et sur les 3 semestres dans lesquels on va avoir les cours qui vont se développer, on commence par le M1, un M1 dans lequel on met à peu près tous les mondes à peu près d'équerre sur un certain nombre de connaissances, donc avec des cours d'histoire de l'art, sur l'histoire du patrimoine chrétien, qui vont regarder et analyser ce patrimoine à partir de l'époque paléo-chrétienne, donc de l'époque de Constantin jusqu'à nos jours. Et j'insiste beaucoup sur l'importance qu'on a aussi à regarder ce patrimoine chrétien contemporain, qui est aujourd'hui mal connu des historiens de l'art, notamment, puisque les cours de licence d'histoire de l'art, en ce qui concerne l'art contemporain, parle des grands mouvements, parle des grands noms de la scène artistique contemporaine du XXe siècle, mais laisse de côté beaucoup cette création religieuse et cette création qui est encore vivante et qui est encore importante On a quelques exemples auxquels on peut penser encore aujourd'hui, notamment avec Notre-Dame du Raincy ou avec Corbusier, même avec Matisse qui va beaucoup travailler pour le décor de certaines églises. Mais c'est quelque chose qu'on oublie comme étant encore quelque chose de vivant. Et c'est aussi cet intérêt-là qu'il va falloir travailler. Donc, des cours d'histoire du patrimoine chrétien sur la période médiévale, moderne et contemporaine. On va aussi avoir des cours de théologie, théologie antique et médiévale et théologie moderne et contemporaine pour comprendre le contexte religieux dans lequel ces œuvres ont été réalisées. Des cours aussi sur l'histoire de l'Église et sa liturgie pour mieux comprendre et mieux appréhender la circulation au sein d'un bâtiment, pour mieux appréhender aussi l'utilisation que l'on fait de certains objets dans le cadre d'une liturgie, des objets qui ont une fonction à une période, qui vont perdre par la suite, qui la retrouvent au gré des évolutions et au gré des conciles. C'est aussi une approche sur la philosophie, puisque l'histoire de l'Église est traversée par la philosophie antique, la philosophie médiévale, bien entendu, mais aussi la philosophie moderne, contemporaine. La philosophie occidentale s'étant beaucoup basée sur les réflexions qui avaient été entamées dans un cadre religieux et qui s'éloignent de ce cadre religieux. Donc c'est aussi ça qui va être important à souligner. Ce sont aussi des cours de droit du patrimoine avec du droit canonique et du droit civil, puisque la notion patrimoine s'est assez largement créée dans le domaine du canonique, hein, dans le domaine de l'Église, qui a réfléchi très tôt à la façon de gérer ses possessions terrestres, et que le droit civil aujourd'hui est assez influencé par ces éléments du droit canonique. Mais ce n'est pas tout un ensemble de modules méthodologiques qui doivent aider dans la première année du M1 à travailler sur le mémoire de recherche, à travailler avec des sources, apprendre qui sont les technologies modernes, donc qui sont toujours aussi importantes. Et puis, le dernier élément, alors qui va se retrouver sur les deux années, c'est aussi l'importance accordée aux langues. L'anglais, puisqu'il y a deux langues qui vont être obligatoires dans le cadre du master, l'anglais comme langue vivante 1, et puis une seconde langue, peut-être une seconde langue vivante, choisie dans le cadre de notre pôle langue au sein de l'ICT, ou même une langue ancienne, le latin ou le grec, qui peuvent être particulièrement intéressants pour tous ceux qui veulent travailler sur les périodes médiévales et modernes, et même encore certaines des périodes contemporaines, puisque le vocabulaire de ce patrimoine chrétien reste quand même un vocabulaire gréco-latin qui est intéressant à analyser et à regarder. Le M2, donc, les cours vont se concentrer sur un seul semestre, sur le S3 du M2, et là, on va entrer dans des séminaires qui vont être des séminaires un peu plus spécialisés, dans lesquels on va essayer de regarder avec des discours qui vont être faits par plusieurs intervenants sur l'architecture, la fonction de l'architecture et son décor monumental, sur l'image religieuse, sa constitution, qu'est-ce que c'est à différentes périodes, sur l'objet liturgique, et notamment sur l'objet liturgique, la confrontation qu'on va pouvoir avoir entre des historiens liturgistes et des historiens de l'art, etc. Et puis, on a tout un module aussi qui va être sur la gestion et la valorisation du patrimoine en tant que tel, notamment à travers la question des publics, comment présenter ce patrimoine chrétien dans ses composantes multiples, dans ses différentes couches à un public, alors à un public non initié, hein, qui ne connaît pas forcément les origines de ce patrimoine, à un public aussi étranger qui reste une composante importante, puisque la question de la gestion et de la valorisation de ce patrimoine passe aussi par la question du tourisme et la question de l'accueil de ces visiteurs, notamment des visiteurs étrangers, avec des cas particuliers comme par exemple Notre-Dame de Paris, bien entendu, mais aussi d'autres lieux, des musées de trésors qui présentent des objets liturgiques. Et puis, toujours dans le S3 et toujours dans ce module de plus de spécialisation, des cours qui sont plus spécialisés, pardon, sur des cours qui sont plus spécialisés sur les technologies modernes et qui vont notamment revenir sur eh bien des éléments d'archéologie du bâti, d'initiation à l'archéologie, des technologies par exemple comme l'utilisation d'outils 3D, d'utilisation d'outils et technologies de l'image, etc., etc. Donc, vous voyez quelque chose qui est extrêmement complet, ou en tout cas qu'on veut le plus complet possible, et auquel vient s'ajouter le mémoire de recherche, qui reste un véritable mémoire de recherche, hein, avec toutes ces heures, et justement qui vient s'enrichir de tous ces séminaires et de tous ces cours qui sont proposés dans le cadre du master. Donc, comme c'est un mémoire de recherche, au moment de l'inscription, vous choisissez une période, et à partir du moment où vous avez choisi la période, on vous donnera un directeur de recherche avec qui vous pourrez définir un sujet particulier et justement pouvoir intégrer toutes ces composantes de l'histoire de l'art, de la théologie, de la liturgie, de la philosophie dans le cadre de la recherche. C'est un mémoire qui sera à rendre en fin de M2 et comme je vous le disais tout à l'heure, au début du l'intégralité du S4, donc du second semestre du M2, va être entièrement consacrée à la réalisation du stage professionnalisant et à la réalisation du mémoire en lui-même. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à proposer une approche complète d'un patrimoine particulier, qui nécessite d'avoir des connaissances autres que purement formelles et esthétiques, qui nécessite de s'intéresser à d'autres éléments que l'élément purement histoire de l'art et d'avoir une compréhension générale de la construction de ce patrimoine dans un sens large, hein, architecture, peinture, objets d'art, tous ces éléments-là qui sont de toute façon à mettre en lien les uns avec les autres. Les débouchés pour ce master, parce que c'est quand même des choses qui vous intéressent normalement, les débouchés pour ce master, ça reste bien entendu pour ceux qui le veulent et ceux qui sont pris par la recherche, le doctorat, avec une recherche plus approfondie, plus ouverte sur un thème qui a été abordé dans le cadre du master. C'est bien entendu toutes les carrières publiques et administratives de la fonction publique, à savoir les concours de conservateurs, monuments historiques et inventaires, conservateurs de musées, mais aussi tout ce qui est attaché de conservation, charge d'études, métiers liés à l'archéologie, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, métiers liés aux musées aussi, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, les médiateurs culturels, les médiateurs du patrimoine, ce sont aussi les chargés de mécénat, les chargés de collection. C'est aussi la possibilité de travailler au sein des commissions d'art sacré, par exemple dans les diocèses, qui sont en train de se constituer et de grossir au fur et à mesure, parce que la question du patrimoine chrétien n'intéresse pas que l'État, elle intéresse aussi l'Église qui s'intéresse à sa propre histoire et à son propre patrimoine. On peut aussi voir des postes de chargés de mission historique, de diagnostic du patrimoine, etc., etc. Donc un panel assez large de débouchés professionnels qui ne se cantonne pas à ce que je vous ai dit ici, bien entendu, qui peut aller toujours beaucoup plus loin dans les possibilités qui aujourd'hui sont vraiment multiples au sein des études d'histoire de l'art. Je pense que j'ai fait les 15 minutes. Maintenant, je suis tout à fait prête à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce master. Alors, les profils des intervenants et des enseignants, c'est majoritairement des enseignants-chercheurs qui sont au sein de la faculté, enfin au sein de l'ICP, qui proviennent de la faculté des lettres, du département d'histoire de l'art, du département d'histoire, mais aussi des enseignants qui viennent de la théologie, qui viennent aussi de la faculté de droit canonique, de la faculté de philosophie. Donc vraiment des profils très divers. On a aussi quelques intervenants extérieurs qui sont des spécialistes, notamment des spécialistes de la question des publics dans les lieux touristiques, des spécialistes de ces technologies modernes et de l'archéologie du bâti et de l'archéologie de façon plus globale. Donc vraiment à chaque fois des personnes et des spécialistes qui vont être présents sur le sujet et qui de toute façon pourront aussi répondre à vos questions et à vos attentes dans le cadre de vos recherches et dans le cadre de vos possibilités futures. Alors les modalités de recrutement, ça se fait via la plateforme MonMaster. Il faut correspondre au profil qui est demandé, c'est-à-dire avoir un niveau de licence ou en tout cas pouvoir justifier des 180 ECTS qui correspondent à la licence, pouvoir fournir donc soit les résultats de la licence pour les 2 premières années et le premier semestre de la L3, soit pouvoir donner les éléments de justification permettant de montrer les 180 ECTS. C'est aussi venir avec une lettre de motivation, un CV. C'est venir avec un projet de recherche alors qui est tout juste ébauché et pas encore élaboré, puisque ça c'est quelque chose que vous ferez avec votre directeur de recherche dans le cadre du master. C'est la motivation qui va beaucoup compter. Il n'y a pas de limite d'âge, on ne va pas faire une limite d'âge en disant qu'on ne prend pas les personnes qui sont déjà actives. Au contraire, ça peut être parfaitement quelque chose qui correspond à une reconversion et qui doit permettre d'arriver à cette reconversion. Donc, il n'y a pas de limite au niveau de l'expérience, de l'âge, etc. Des sujets de mémoire, alors ça il y en a beaucoup parce que ça dépend des périodes. Moi en tant que médiéviste, j'aurais tendance à vous donner plutôt des sujets sur la période médiévale, mais ça peut être les sujets de mémoire, ça peut être une monographie sur un bâtiment en particulier, essayer de l'analyser dans son histoire, dans son évolution, dans son architecture, dans son décor intérieur, en se basant sur les sources archéologiques. C'est aussi par exemple sur les périodes plus récentes, pour les périodes modernes et contemporaine, peut-être un regard sur un artiste en particulier qui a plus travaillé dans un contexte chrétien, dans un contexte d'église ou pour des trésors. Enfin, vous voyez, on peut travailler, on peut imaginer des sujets qui vont être aussi un peu plus sur la problématique justement de comment présenter ces objets aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de possibilités extrêmement diverses qui là sont à analyser, à approfondir et à retravailler dans le cadre du master avec le directeur de recherche. Et quant aux cours de remise à niveau à l'histoire de l'art, c'est le principe des cours sur l'histoire du patrimoine chrétien qui vont avoir lieu entre le M1, dans le courant du M1, entre le S1 et le S2. C'est vraiment d'essayer de donner à tout le monde l'histoire de l'art et de ce que l'on entend dans l'histoire de l'art par le patrimoine chrétien. Donc tous ces éléments-là qui vont être associés les uns avec les autres. La remise à niveau en histoire de l'art, elle passe aussi par le fait d'aller dans le musée, d'aller voir les œuvres d'art, de profiter des conférences qui sont données. L'avantage, c'est qu'à l'ICP, on donne beaucoup de conférences. On a des cycles de conférences qui sont faits par les historiens de l'art, etc. Donc, de pouvoir les suivre pour ouvrir son esprit et pour ouvrir vraiment son approche de son sujet sans se contenter uniquement de sa période. Il faut rester ouvert sur l'ensemble de la période, enfin sur l'ensemble de l'histoire de l'art et de la préoccupation autour du patrimoine chrétien. Pour vous répondre, Valentine, non, ce n'est pas votre connexion saute. Donc non, votre cursus n'est pas du tout éloigné des attentes qu'on peut avoir pour pouvoir candidater à ce master-là. À partir du moment où vous avez en humanité, vous avez fait de la philosophie, vous avez fait un peu de droit, vous avez fait de l'histoire, avec les sciences politiques aussi, bien entendu que vous êtes parfaitement légitime pour candidater à ce type de master. D'autant plus que justement le M1, c'est vraiment vous allez avoir des étudiants qui vont venir d'histoire de l'art et qui n'ont que peu d'éléments sur la philosophie, alors que vous en aurez d'autres qui viennent juste des humanités, qui auront un bon bagage en théologie, mais qui n'auront pas grand-chose sur l'histoire de l'art. Vous voyez, il y aura vraiment un mélange sur l'ensemble des places. Alors le nombre de postulants. Je ne peux pas vous dire pour le moment parce qu'on est en pleine phase d'inscription sur mon master, donc pour l'instant on n'a pas de chiffres réellement, mais le nombre de places ouvertes, on a 30 places disponibles pour le master. Alors, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette présentation. Et puis, j'espère que vous pourrez, que ça vous a suffisamment, que ça vous a intéressé, passionné, et que vous enverrez votre dossier de candidature pour ce master, et que donc on aura l'occasion de se recroiser. Bonne soirée à tous.